Merci beaucoup, M. Delbecq. Avec la réunion de ce soir, là, on peut réaliser clairement que le conseil municipal actuel est en fin de régime. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises, qui n'ont pas de gros bon sens. Entre autres, une décision de venir amputer une partie du boisé des Colibris, une décision qui est prise avec l'approbation de l'équipe Legrand et avec l'approbation de l'équipe Paradis. C'est pas compliqué, il faut arrêter de couper les derniers milieux naturels qu'il nous reste sur la municipalité. Il nous en reste pratiquement plus. Il faut tout simplement tous les conserver. Puis pour protéger les milieux naturels, il ne suffit pas juste de dilapider les fonds publics. Il faut tout simplement arrêter de voter des changements de zonage comme on a voté ce soir qui viennent autoriser justement la destruction des milieux naturels. Donc, je suis content de constater que M. Bessette vient de réaliser que le plan de conservation était un éléphant blanc. Et non, le plan de conservation ne deviendra pas un éléphant blanc. Le plan de conservation est déjà un éléphant blanc. Beaucoup de décisions aussi qui n'ont pas de bon sens au niveau de l'urbanisme. Il faut arrêter de permettre là, n'importe quoi pour des considérations politiques. Il faut avoir de la vision, tout simplement. Quand je parle là, de revoir la façon dont se développe Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est exactement ça que je parle. C'est important de travailler. Il faut implanter à Saint-Jean-sur-Richelieu la culture du beau. Il faut aussi travailler de façon transparente et en collaboration, en symbiose avec les citoyens. En terminant, j'aimerais aussi revenir sur le dossier du champ de tir. Le problème qui sont évoqués est un problème vraiment réel et les conséquences de ça sont aussi réelles pour les citoyens. Donc, j'aimerais, dans un premier temps, remercier les citoyens qui se sont mobilisés, qui sont déplacés ici ce soir pour proposer une solution. Pas proposer une solution, mais pour bien sensibiliser le conseil municipal. Vous êtes mobilisés, vous impliquez dans votre communauté pour le bien de vos voisins. Donc, je vous en remercie. Et j'aimerais aussi remercier les membres du conseil municipal pour leur écoute et aussi pour leur flexibilité ce soir relativement à ce dossier-là.